Depuis quelque temps, Adélaïde n'est plus une ombre, c'est une question. Tu sais qu'Adélaïde a toujours vécu à l'ombre de nous-mêmes. Il semblait s'y conformer. Que nous nous y conformions finalement sa volonté. Adélaïde, témoin objet de notre bonheur. Qu'il serait peut-être temps de regarder Adélaïde. Oui, faudrait la marier. Tu te réfugies dans le mariage comme une héroïne de Bourget. Je crois pas. Notre mariage imbécile, comme tu dis, n'a pas été un refuge. Ça a été bien plus que cela. Ça a été un éclatement. Je ne me suis pas réfugiée en toi. Mais peut-être ai-je disparu en toi. L'excès même de cet amour entraîne la fin de cet amour. Dans le fameux s'identifier. S'enfuir. Et disparaître dans l'homme qu'elle aime. Mais pourquoi les hommes trompent-ils toujours leurs femmes ?